Salut à tous, c'est Alex le serveur et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon version argent. Et ça y est, on est en route vers la ligue, enfin! Alors vous, ça vous a peut-être paru rapide, mais moi j'ai galéré en capturant Lugia la fois dernière, vous en souvenez peut-être. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu dois être fort. Je suis surtout patient. Je suis patient pour pouvoir capturer ce Lugia sans Master Ball, oulala. Et donc on continue la route. Alors on m'a dit, mais tu serais pas un petit peu faiblard pour aller jusqu'à la ligue? Effectivement, j'ai pas un très très grand niveau, mais on verra, on prendra une armée de rappels et tout ça, tout ça. Peut-être qu'on s'en sortira du coup. Du coup, contre Pikachu. Oh là là, reflet. Il augmente son esquive. Bon, il a pas beaucoup de défense, Pikachu. Il est même pas évolué en plus. Ah, il rate son attaque. Et moi, ça passe. C'est dommage. Pour lui. Mais il est tellement mignon, Pikachu. On lui pardonne tout. Un Tortank au bas. Je vais juste voir. Oui, Luxbox niveau 34. On va le faire monter un petit peu de niveau. Tortank, évolution finale de Carapuce, le starter haut de la première génération, bien évidemment. Un Pokémon défensif, hein, comme l'indique son physique. Enfin, il y a quand même des tanks, enfin des canons à eau sur le dos. Alors oui, le principe de la ligue, c'est qu'on va affronter des dresseurs à la suite sans pouvoir retourner au centre Pokémon. Donc on pourra pas changer de Pokémon, on pourra les soigner quand même si on a des objets de soins sur nous. Mais il faudra réussir tous les matchs à la suite. Et si on échoue, il faut recommencer depuis le début. La ligue seulement, hein, pas tout jeu, heureusement. On m'a aussi demandé si on retournait à Kanto. Mais regardez, là, où sommes-nous? Où sommes-nous? On est déjà à Kanto. Hein? Voilà. Est-ce que je cache autre chose? Je ne sais pas. On va déjà faire la ligue. Allez. Emma. On va faire monter un petit peu de niveau. C'est en remportant des combats difficiles que l'on progresse. Tout à fait. C'est pour ça que si jamais on échoue à la ligue, c'est pas très grave. On va perdre beaucoup de sous, ça c'est chiant. Mais surtout, ça va nous permettre de monter de niveau, tout bêtement, de faire progresser nos Pokémon. Alors, il faudrait vraiment que je donne Psycho à Emma. Hein. Contre Ampiflore, Pokémon plante poison, on va utiliser Illagi. Geneviève est pas très élevée non plus en niveau. Donc toxique, ça ne marche pas, je suis poison. Ampiflore, hein, l'évolution de Chétiflore, Boostiflore, pierre plante, Ampiflore. Qui n'est pas de la même famille que Joliflore, hein, malgré la ressemblance phonétique. Le même suffixe. Krabos. Luxbox pour le coup. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait cette espèce de petite crête au-dessus de la tête, la Krabos. C'est marrant. C'est bizarre. Hop là. En un coup. Vous voyez, il résiste beaucoup moins que Tortank. Hein. Pyroli. Ah bah c'est parfait. Ça c'est pour Geneviève. Alors Pyroli qui là a une fourrure toute blanche. Maintenant elle est plutôt jaune. Il y avait une limite de nombre de couleurs à utiliser. Ils ont préféré faire un petit effet d'ombrage sur le courant.
Hop. Parfait. Donc combat équilibré, un Pokémon feu, un Pokémon eau, un Pokémon plante. La triade de début. On va laisser Emma en premier. Je me prépare pour la Ligue Pokémon, mais moi aussi, mec, moi aussi. On veut tous aller à la Ligue Pokémon. Parasect. Bon, le sprite est vraiment très bien fait, hein. On dirait presque une espèce, je sais pas, de modélisation 3D qui est passée en 2D. Dans Slam, qui augmente l'attaque à fond, de 2 niveaux donc. Alors j'ai quand même laissé Emma avec Vol parce que Parasect est insecte et plante. Et Vol, ça fait x4. Mais vous voyez, c'est même pas suffisant. Ah, paralysie. Non, endormissement. C'est pire. Qu'est-ce qu'il va essayer de me faire? Ah! Bon, silence une attaque plante, Geneviève est foutue. Silence tranche, on résiste, c'est bon. Voilà. Là, il faut qu'on le tue en un coup, même si c'est pas très efficace. Aquaquack, Pokémon O. Notre célèbre canard. Alors non, Aquaquack n'est pas O Psy, il est simplement du type O, même s'il apprend pas mal d'attaques Psy. Souvent on pense qu'il est de type Psy parce que sa pré-évolution c'est Psycho-Quack, qui apprend aussi pas mal de Psy. Mais non. Alors, on va descendre pour récupérer ça. Un max élixir. Oh, c'est pas très important. On peut remonter et faire le dernier combat avant d'accéder à la ligue, je pense déjà. J'ai perdu face à un type du nom de Poule. Il était fort, mais on aurait dit qu'il combattait pour sa vie. Ça me faisait de la peine pour ces Pokémon. Poule, notre rival. Un seul Pokémon, Galoppa. Parfait. Un type feu. On va envoyer Geneviève. Alors, qu'est-ce qu'on va subir comme attaque? Hâte, bon, on augmente sa vitesse. Faible attaque feu qui, par contre, fait des dégâts chaque tour. Et piège, donc je ne peux pas me bouger. Je ne peux pas changer de Pokémon. Pas très efficace, type roche. Niveau 32 pour Emma. Elle l'a perdu. Non, les Pokémon ne sont pas nos esclaves, effectivement. Route 26, Ligue Pokémon, porte d'accès. Mais c'est fantastique. Seuls les dresseurs confirmés peuvent passer. Oh, les 8 badges de Johto. Après vous, mon doux seigneur. Waouh. Drôle de langage. Cette route mène au mont Argent, tu y verras des Pokémon affreusement balèzes. Je vais y aller. Tu vas à la Ligue Pokémon, hein? Le conseil des 4 est super, hyper, méga balèze, tu vas en baver. J'ai oublié ce détail.
La route victoire. Même pas de soin juste avant. Je suis bien tenté. Ouais, on va. Alors, je vais juste. Ah, tiens, on peut utiliser le vélo ici. Hop, en ligne droite jusqu'au soin. Parce que la route victoire, c'est long. Et c'est difficile, comme toutes les grottes. J'espère que j'ai une corde sortie au cas où. Les Pokémon ont la patate! Alors, j'ai deux cordes sorties au cas où. Ok, si je déprime trop, je peux m'enfuir. J'ai pas des max repousses par hasard, j'avais dû en acheter plein pour... Ah, il m'en reste 5, c'est pas mal. Ils me serviront, moi. On a bien... Pardon. Geneviève en premier. C'est parfait. Contre les Pokémon roches, ce sera toujours utile. Ça commence. Je vais utiliser un max repousse déjà dès maintenant. Nosferalto. Pas d'attaque roche. Oh, confusion. Ne cède pas. Reste fort, reste digne et fais-lui ton point éclair. Bah, ça va me faire une folie si tu fais. Voilà. C'est pour ne pas trop... Bon, déjà, voilà. J'ai un peu perdu. Ok. Droite ou gauche? Allez, droite. Total soin. Bon, ça nous fera pas de mal. Rappel max. Très bien. Mais là, on perdait pas. Ah oui, alors effectivement, le max repousse fonctionne, sauf pour les Pokémon puissants. Tel Donphant, Pokémon Sol. Donc un éléphant qui, quand il se met en boule, et bien vous voyez, il a une forme de pneu. Voilà. Donphant. L'évolution de Fampi. Le mignon petit Fampi. Un Pokémon assez oublié, en fait, j'ai l'impression. Peut-être encore l'affaiblir un petit peu. Trop de gens t'ont oublié, mon petit Donphan. Alors, à l'époque, les Pokémon de type sol pur étaient relativement rares. Hein. Dans la première génération, on avait surtout des Pokémon roche sol. Onyx, Rhinocorne, Rhinophéros. Il y avait qui encore Rakaillou. Gravalanche et Grolem. Voilà, du sol pur, il y avait quoi? Topika, Triopika. Je me demande si c'était même pas tout d'ailleurs. Donc là, Donphant, autre sol pur. Bon, maintenant, c'est évidemment. Pas mal de Pokémon sont plus. Plus grandes sont ses défenses, plus haut est son rang dans le troupeau. Ses défenses poussent lentement. 1,1 mètre, 120 kilos. Oui, alors, Donphant, personne n'a demandé à être Donphant. Donc, je vais l'appeler. Valérie, comme Valérie Giscard d'Estaing. Voilà, comme
comme il est très vieux. Comme un éléphant. En haut. Ah! Bon, moi, c'était des donfants seulement. Ah non. Onyx, tiens. Je crois que j'en ai pas encore, effectivement. Alors, par contre, il est possible qu'on m'ait demandé un Onyx. Alors, siphon, dégâts x4. Roche sol. Est-ce qu'on m'a demandé à être un Onyx? Oui! Oui! Je le vois ici, l'Onyx. Oula! Il a eu chaud. Pas le tuer non plus, hein. Alors, Onyx qui évolue depuis cette génération, la deuxième, en Stylix. Qui perd le type roche au profit du type acier, mais conserve son type sol. Serpent Rock, 8,8 mètres, 210 kg, il creuse dans le sol à une vitesse de 80 km/h en contorsionnant son immense corps de pierre. C'est flippant. Oui, c'est donc mon ami Antoine, alias Potemkin. Voilà. Bienvenue à toi. Spécial plus, ou on s'en fiche. C'est pour augmenter le spécial durant un combat, mais... Bon, pour l'instant, c'est assez linéaire. C'est là où tu te demandes si t'as pas fait une boulette. Genre, hé, hey, j'aurais pas dû revenir par là. Waouh, Rhinocorne, j'allais dire Rhinophéros. Plein de Pokémon qu'on n'a pas encore croisé ici. Surtout des Pokémon roches, du coup. Est-ce qu'on m'a demandé à être Rhinocorne? Donc déjà, je peux barrer là, Onyx. Alors... Je n'ai pas de Rhinocorne. Piquant, 1 mètre 115 kg, quand il est lancé, plus rien ne l'arrête. Il ne vaut mieux pas se trouver sur son passage. Oui. On va l'appeler... Oh, c'est une femelle en plus. Eh bien, Marion, comme ma collègue. Voilà. Marion le Rhinocorne. Alors figurez-vous que Rhinocorne a une nouvelle évolution depuis la 4ème génération. Oh là là. Faut qu'on fasse un petit bout de route. Donc Rhinocorne évolue en Rhinophéros dans la première génération. Et depuis la 4ème, Rhinophéros, quand on les change, quand ils tiennent ceinture, je crois, je sais plus le nom exact de l'objet. Ceinture force, non, ceinture force c'est pour autre chose. Je sais plus, je vois à quoi ça ressemble, une espèce de truc rouge, une sorte de triangle, enfin c'est... Une sorte de protection, bref, quand on lui met cette jolie brassière, et qu'on l'échange, il évolue en Rhinastock. Très costaud Rhinastock. Voilà, hop, on est tranquille. C'est bien, Geneviève va pouvoir vraiment monter de niveau, avec son terrible surf. Ça va nous aider. Je sais plus s'il fallait que je tourne ou pas. Non, je crois qu'il faut que... Ouais. Non. Là. Je crois qu'il faut que j'aille à droite, là. Donc, vous voyez, le repousse, hein, c'est pas... miraculeux non plus.
On est déjà sorti. Minute. Vas-tu relever le défi de la Ligue Pokémon? Me fais pas rire, t'es un nul et un gros naze. Et moi, tu sais quoi, je suis bien meilleur que toi. J'ai les meilleurs Pokémon, les plus forts de tous. Je suis invincible. Loup, je vais te briser. Terrible combat contre Poule, notre rival. Le voleur de Pokémon. Farfuré, type glace, ténèbres. Il aurait fallu du feu, ou même du combat x4, mais j'ai pas. Bon, glace ténèbres, il peut pas faire beaucoup de mal à Geneviève normalement, donc... Ah, il baisse sa défense à fond, mais il l'a perdu. Il a échoué, il l'a perdu. Farfuré, pareil, 4ème génération, il évolue en Dimoré, alors qu'avant c'était un Pokémon qui n'évoluait pas. Taillade, alors, attaque insecte qui augmente à chaque tour. Et ça commence faiblard, donc ça va, ça nous laisse vraiment le temps de bien mettre KO. Alors là, il est marron, maintenant il est plutôt noir, enfin il n'a pas du tout cette couleur marron très prononcée. Feinte, une attaque ténèbre, efficacité normale du coup. On va quand même garder notre petite Geneviève en forme pour affronter son Pokémon feu. Car il a choisi le starter feu évidemment, comme j'ai pris le plante, magnéton, acier, insecte. Ah, il me faudrait du sol ou du feu. Et là j'ai... Oh là là, je vais galérer. Je vais galérer. Bon. On va tenter de le paralyser. Super. Parfait. Ah bah. Ouf. J'ai eu du bol. Lui aussi a voulu me paralyser. Bon, ça va être long, mais... gagne un petit peu des petits tours comme ça, on sait qu'il est plus lent si je dois changer de Pokémon. Ah, sale bête. Ah, Sonic Boom, 20 points de dégâts à chaque fois. Allez, encore un tout petit coup. Voilà. Niveau 36. Nosferalto. Alors, Nosferalto, Gigigi, bien évidemment. De l'électricité pour calmer ce Pokémon vol. Alors ça se voit que ces Pokémon ne l'aiment pas car son Nosferalto n'a pas évolué en Nostanfer. Alors que le mien, oui. Il a dit, il m'aime bien. Et paf! Ah, ça l'a pas calmé suffisamment. Résiste! Ah! C'est bien! Un nouveau niveau aussi. Spectrum, son petit fantôme. J'aurais bien voulu le mien pour le coup. On va utiliser Ilaji. Il y a son attaque ténèbres. Morsure.
Oh là là, mais il est obsédé de la folie, hein. Les yeux de Spectrum quand il lance onde folie, c'est effrayant. Kadabra, alors psy, donc effectivement Ténèbres ça aurait été cool contre lui, mais Illadji est confus en plus, on va pas prendre le risque. Je vais prendre Gigigi. Donc son Kadabra et son Spectrum n'ont pas évolué, hein. Ce sont deux Pokémon qui évoluent par échange. Deux Pokémon de la première génération. On a peut-être dû lancer Force, ça aurait peut-être tué. Là, point éclair, une attaque spéciale et non physique. Et enfin, Typhlosion, l'évolution du starter feu de la deuxième génération. Qui a appris une nouvelle attaque dans la 7ème génération. Flamme ultime. Si je me souviens bien, je crois que c'est son nom. Une attaque très puissante de type feu. Mais le Pokémon perd son type feu une fois qu'il l'utilise. Donc ses attaques suivantes ne seront plus stabées. Ah, j'avais oublié que Kadabra avait lancé une préscience. Aïe aïe aïe, il va tuer Geneviève. Non. Oh, joli. Joli, 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 joli. Et paf, ça fait des chocs à pic. Bim. Et voilà. Très beau match. Petite montée de niveau pour Geneviève. Et Poule a perdu. Je pouvais pas gagner. Je me suis donné à fond. Tu as quelque chose que je n'aurai jamais. Je commence à comprendre ce que voulait dire le type au dragon. Et ouais, moi mes Pokémon me kiffent, mec. Je n'ai pas oublié mon rêve. Devenir le plus grand des dresseurs. Je vais vite apprendre ce qu'il me manque pour m'améliorer. Et alors, ça va être ta fête. Tu vas ramasser tes dents avec tes doigts cassés. Alors à bientôt, minable. Toute cette violence. Je suis quand même curieux. Ouais, je n'en... Je tente pas le trou. Hop là! Et ben, elle a été largement simplifiée cette route de victoire. J'avais complètement oublié à quel point elle était facile. Voilà, la Ligue Pokémon se dresse devant nous. L'objectif de tout dresseur, on y est. Alors, ça aussi, ça a changé. Il me semble que dans la première génération, l'entrée se trouvait à gauche. Si je dis pas de bêtises, l'entrée de la Ligue. Allez à droite. Ah, tu défies le conseil des 4, tu es sûr d'être prêt. Si tu veux encore t'entraîner, mon abra peut t'aider. Il peut te téléporter chez toi. Veux-tu retourner chez toi? Non. Merci. On va le tenter quand même une première fois, on verra s'il faut s'entraîner ou pas. Le terrible conseil des 4, tu devras battre les 4 chefs ou tu devras tout recommencer. On va acheter, donc pour être sûr... Oula, on n'a pas beaucoup de sous. Ah, bon, des rappels. On va stocker Jean-Franco. Voilà. Pour cascade, là on a plus besoin de cascade. On va retirer... Je pense qu'on va pas prendre trop de risques. Quoi que Sephiroth, hein, il était cool. Ah, on va la jouer safe. Enfin, en même temps... Ouais, si elle est... On a tellement galéré pour l'avoir, ce serait un crime de pas l'utiliser. Bon, à mon avis, je vais me faire ramasser, hein, mais...
ne souviens même plus l'ordre des types. Psy, c'est Clément. Avant, c'était... Première génération, c'était Olga. Je pense que c'est pour ça que t'étais en glace, car c'était Olga, le type glace. Première... Premier membre du conseil des quatre dans la première génération. Là, Clément a arrêté de sa salle, donc type psy. Type psy. Je vais me faire ramasser. Bienvenue à la Ligue Pokémon, Lou. Je me présente, mon nom est Clément. Je sais tout, j'ai tout vu. Les Pokémon psy sont trop forts, le conseil des quatre m'a accueilli en son sein. Normal quoi, je suis trop fort. Perdre, défaite, je connais pas. Alors comme ça, on va en plus pouvoir jauger un petit peu son niveau. Xatu, oh bah ça commence bien, Pokémon vol. Niveau 40, ouais, effectivement, c'est ce que je craignais. On est un petit peu en dessous. Alors, Gigigi, donc on retiendra, il faudra mettre Gigigi en premier pour Clément, parce que type vol. Oh, quel accueil. Bim. Allez, mange les dents. Ouais, ça va encore. J'adore Xatu et son design de hiéroglyphe. Enfin, il fait plus Amérique du Sud en fait, mais j'aime beaucoup. Ah, oh, ça c'est salaud. Résiste, résiste, résiste. Oui. Alors, Liputu, glace psy, qui était possédé aussi par Olga, du coup. Oh là 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 là. Ah, mais glace. Bon, tant pis. Glace, c'est efficace contre le type vol de Amélie, mais bon. Paf! Faut qu'elle apprenne d'autres attaques, Amélie. Ah, c'est parfait. Moins un. Faut qu'elle monte de niveau pour ça. Xatu. Un autre Xatu. Oh. Si j'ai des huiles après tout, autant que ça serve à restituer les PP d'Aéroblast. Pas très efficace. Parce qu'Amélie est de type psy déjà. Et elle a une très bonne défense spéciale. Flagados, Pokémon au psy. Va falloir qu'on soigne notre petit chouchou Gigigi. Alors, le problème, c'est qu'il a une très bonne défense spéciale, Flagados. Trois coups, je pense, ouais. Et il augmente sa défense spéciale, ouais, évidemment. Tu vas te calmer, mon petit. Oh là là. Oh, faut que tu réussisses à l'empoisonner là. Non. Un peu de chance. Allez, allez, allez. Ouf, tu parles. Ah, oh, presque. KO. Bien fait de prendre des rappels. Qui mérite des points de... Allez, Amélie, désolé les autres.
Elle est déjà de bon niveau, mais ça lui permettra d'apprendre de nouvelles techniques. Pof. Noix de coco, ah parfait. Plante psy. Mais aussi plante dragon dans la 7ème génération. Du coup, il est faible face à Aéroblast. Ouh, très bonne défense de Noix de coco. Bon buff. Paf. Quelle animation. Ok, voilà. Bon bah Amélie a fait quasiment toute l'armée quoi. C'est incroyable. Merci. J'ai peut-être perdu comme un criquet, mais je continuerai à combattre tant que je ne serai pas le plus grand. Lou, continue ta route et découvre la force du Conseil des Quatre. Koga, j'ai complètement oublié. Ancien champion d'arène de Parmanie du type poison. Alors, type poison, ça va pas être sympa. Je pense qu'elle peut apprendre surf, Amélie. Ce sera toujours ça de prix en plus. Tiens, je peux lui mettre... En fait, je peux lui mettre surf et vol. Ouais, allez, hop. Comme ça, il n'y aura pas qu'Aéroblast qui vaudra le coup. Rune Protect, on s'en fiche, hein. C'est pour empêcher les modifications de statut. Et vol. Toujours pratique. Plutôt. Enfin, ce sera toujours mieux que Tornade, quoi. Même si c'est en deux tours, c'est un petit peu long, ça m'énerve du coup, mais c'est pas grave. Voilà. Alors. Deux rappels. On a quand même 16. Et 2 guérisons au cas où. Je vais voir si j'ai pas des petites potions, des petits trucs comme ça là. Je vais pas utiliser mes guérisons tout de suite. Un rappel max aussi, c'est vrai. J'aurais pu ranger ma pierre lune. Non, bon. Alors, poison, on va mettre Ilaji. Parce qu'il y a des chances que ce soit des insectes poison. Moi c'est Koga du Conseil des 4. Je suis un ninja comme à la télé. Je saute, je lance des shurikens, je suis trop fort, mais c'est pas tout. Tu vas voir ce que c'est la technique de maître. La force c'est bien, mais le poison, le sommeil et la folie, c'est terrible. Monsieur Altération d'État. Chose que je déteste, mais bon. Voilà, insecte poison comme j'avais parié. Un petit Migalos. Cruel, direct. Il augmente son esquive, on espère que le deuxième cruel va passer. Allez, allez, yes. Ah c'est bien. Tout se place, tout se passe comme prévu. Aéromite, pareil. Allez, même punition. Insecte poison. Alors, insecte poison. Et il est vulnérable au type sol du coup, parce qu'il n'est pas de type vol malgré ses grandes ailes. Un des paradoxes de certains Pokémon. Comme Dardarian, par exemple. Hop là. Fortress. Alors, Fortress, insecte acier. Il n'est pas type poison, donc c'est un peu bizarre. Là, il me faudrait du feu pour le tuer en un coup, c'est bien dommage. Du coup, ce que je peux faire, par contre, c'est... Il va me faire picot, je crois, un truc comme ça, un truc chiant. Je vais envoyer Geneviève. Parce que l'eau, voilà, c'est neutre. En général, contre les Pokémon acier, j'utilise souvent l'eau. Parfois l'électricité, mais c'est vrai que l'eau, du coup, ben. Dégâts neutres, ça va. Il a explosion aussi, je crois. Du coup, ça permettrait un petit peu de réduire la puissance de son explosion. S'il décide de se faire kamikaze. Car explosion
type normal, Geneviève type roche, elle résiste. Météore, pas très efficace, pas stabé en plus, donc voilà, peu de dégâts. Alors Météore, cette attaque n'échoue jamais. C'est sa particularité. Mais puissance de 60, donc c'est pas forcément hyper intéressant si le Pokémon n'est pas de type normal. Explosion, voilà, je m'en doutais. Résiste, résiste, résiste. Ah ! Salopard. De l'expérience perdue, quoi. On retourne à Illadji au cas où. Gros tas de morts. Alors, pur poison. Sol ou psy. Alors, le seul Pokémon psy que j'ai, c'est Amélie, et elle n'a pas d'attaque psy. On va l'embêter. Après tout, il veut jouer sur les altérations de statut. On va jouer sur les altérations de statut. Paf, ça commence bien. On va voir combien on lui fait de dégâts. Il a pas mal de défense, gros tas de morts dans mes souvenirs. Acide armure, il augmente sa défense de 2 niveaux en plus. Purée. Ouais, bah ouais, fatalement. Fais-toi des dégâts. Ah, bombe burk. Pas très efficace du coup. Attaque poison. Ouais, ça fait quand même déjà pas mal de dégâts. Il peut me rattraper en termes de dégâts par rapport à ce que je fais, c'est embêtant. Faut qu'il se fasse des dégâts, allez. Ah! Je vais faire un pari et le remettre confus en espérant que ça... que ça soit effectif. Allez. Allez, allez, allez. Fais-toi des dégâts. Bien. Allez. Bon, normalement, là, il peut pas me tuer de façon... à moins d'un coup critique, évidemment. Hop, c'est bon. Là, on l'a. On le cueille. Ah là là, ça y est, c'est la ligue, vous rendez compte, notre objectif depuis le début de l'aventure, on y est. Bien. Nostenfer contre Nostenfer. Désolé, Illadji. Je vais devoir te sacrifier, je pense. S'il y a une chance que tu sois plus rapide que... 6 niveaux de différence quand même. S'il y a moyen que tu... Fuck. Bon. Il faut à tout prix qu'on le ralentisse. Pour ça, il faut qu'on résiste à l'attaque et qu'on arrive à lui lancer la cage éclair. Pas très efficace. Ça, c'est notre chance. Bien. Maintenant... Yes. Très bien. Alors on va déjà l'affaiblir un grand coup avec le point éclair. Bien, très bien. Eh bah super, impeccable. Bravo, bien joué Guigui. Ah c'est des jolis matchs là la ligue hein. Tout ce qu'il faut de suspense, de pression, de tension, de stress. Ah, tu es un adversaire honorable. Une partie est envoyée à maman. J'ai combattu de toutes mes forces, mais il n'y a pas moyen, je ne suis pas assez fort. Va dans la prochaine salle, bonne chance. Alors, avant le deuxième adversaire qu'on affrontait ici, donc là vous voyez le poison, donc côté un petit peu naturel, tout ça, les plantes, les insectes, c'était Aldo, le spécialiste des Pokémon de type combat. Et là, on l'affronte en troisième. Voilà, le voici. Avec un sprite qui ne lui fait pas du tout honneur d'ailleurs. Le troisième dans la première génération, c'était Agatha, la maîtresse des Pokémon Spectre. Je l'adorais. Bon, il n'y avait qu'un seul Pokémon Spectre à l'époque, hein, c'était la famille Fantominus. Donc elle avait juste deux ectoplasmas, je crois. Et puis il restait Arbok et Nosferalto.
Donc bon, c'était spectre à moitié, quoi. Alors là, je crois qu'il y a une feinte sur Aldo qui est spécial du type combat. Il a un Onyx. Il avait deux Onyx dans la première génération. Mais là, je sais qu'il a un Capoeira. Je crois qu'il a plus qu'un seul Onyx, mais je sais plus s'il commence le combat avec ou pas. Dans le doute, on va quand même commencer avec Luxlox. C'est un petit x4 sur le premier Pokémon, ça vaut le coup. Je suis Aldo du Conseil des 4. Mon truc à moi, c'est de m'entraîner comme un méga dingue. Et c'est comme ça que je suis devenu si fort et beau. Oh, tu m'écoutes? T'as pas peur ou quoi? Très bien, comme on peut pas discuter, on va se battre. Prêt, loup? Tu vas... Quoi? Tu veux que j'arrête de parler? Combat! Ah, il est beau gosse quand même. Enfin, il fait très personnage de manga des années 90 en fait. Capoeira, et bien voilà, c'est Capoeira qui l'envoie en premier. Ok, alors j'ai pas envoyé Geneviève parce que Geneviève est de type roche et donc elle est faible face au type combat. Donc Luxbox est un bon compromis. On va commencer par l'empoisonner pour l'embêter. Ça me permettra de me soigner pendant ce temps. Voilà. Ok, super. Bon, s'il fait que des vives attaques, ça va aller. Ouh, ça va m'énerver. Poursuite. Alors, poursuite fait deux fois plus de dégâts si on change de Pokémon au même tour. Mais je ne comptais pas changer de Pokémon. Poursuite est une attaque fourbe, donc de type ténèbres. Voilà. Hop, un petit coup de poison. On va se re-soigner. Tranquillement pendant qu'il va perdre des PV tour par tour. On va relancer là une petite synthèse. Et on va passer aux tranches herbes. Il n'y a que 5 synthèses. J'aurais cru qu'il y en avait un peu plus. Alors, le type combat craint le type vol, donc je pense qu'il va être temps de sortir Amélie, notre arme fatale. Vu la difficulté pour la recruter, je pense que c'est bien mérité. Tainion. Alors, en plus, Amélie est de type psy. C'est un peu le cauchemar des Pokémon combat. Donc, s'il tente une attaque combat, c'est pas la peine. Ah, point glace, c'est vrai qu'il a des attaques glace. Pour mettre à mal les Pokémon vol. Bien équilibré, du coup. Je pense pas que ça suffise par contre à me tuer, pas du tout même. Alors c'est aussi dû au fait que l'attaque point glace est de type spécial dans cette génération. Je vous rappelle que les attaques sont... Enfin le type physique ou spécial est déterminé par le type dans cette génération, ça changera à partir de la quatrième génération, c'est au cas par cas. Point glace est désormais une attaque glace de type physique. J'espère que je suis assez clair. Si je ne suis pas assez, vous pouvez m'envoyer un petit commentaire pour que je vous explique plus en détail. Donc là, on va sortir Geneviève. Un petit surf, ça va être bon. Ça va faire monter de niveau notre petite jeune. Oh! Salopard. Quel filou! Il joue bien. Hein. S'il me fait une petite technique combat, tac, Geneviève, elle est en morceaux. Et ben voilà, on va changer nous aussi. On prend pas le risque. Il nous l'a préparé, c'est bien. Pas très efficace. Non, pas très efficace. Alors vous avez vu, Tainion, Capoeira et Kikli sont trois Pokémon qui évoluent depuis le même Pokémon débugant. Il y en a un qui, du coup, combat avec ses pieds, c'est Kikli.
L'autre avec ses poings, ses talignons et capoeira, un mix des deux. Il fait de la capoeira, quoi. C'est le même Pokémon qui évolue de trois façons différentes selon ses statistiques au niveau 20. Si attaque est supérieure à défense, alors ce sera Tainion. Kikli. Si défense supérieure à attaque, ce sera Tainion. Et si défense égale attaque, c'est Capoeira. Autant dire que Capoeira est quand même le plus difficile à obtenir. Il est plus rapide que Geneviève. Pas content. Tu as tué la petite Geneviève. Enfin, tu l'as mise KO. Je suis pas content. Tu vas mourir en un coup, du coup. Paf. Il va résister. Ah non, c'est bon. Coup critique en plus, c'est parfait. Oh, on aurait pu gagner un niveau quand même. Et le dernier, McConnor, bien évidemment. McConnor, il me fait peur. Il est pas très rapide. C'est l'avantage. Mais il a une attaque très forte. Je sais pas quelle technique il connaît. On va essayer d'en débarrasser vite. Mais il a une très bonne défense aussi. Donc je suis pas sûr que ça réussisse à le tuer, Aéroblast. Voilà, je m'en doutais. Et là, éboulement t'accroche. Il loupe. C'est dommage. Ah, il avait une petite potion. Donc là, on va se taper une attaque par contre. Attention. Ah, il loupe encore. Dommage. Alors, c'est bien, c'est qu'on a plein de Pokémon qui se soignent. On a Amélie, on a Geneviève, on a Luxbox. Quand même pratique. Enfin, il faut avoir le temps de se soigner. Super. Et voilà, le troisième combat. C'est bon. C'est plié. J'ai même pas lu ce qu'il avait dit. J'ai perdu, alors je vais me taire. Va dans la prochaine salle. Et là, la quatrième. La merveilleuse Marion, le type ténèbres. Le conseil des 4, on a bientôt fini. Le conseil des 4, vous vous rendez compte? Depuis le temps qu'on en parle. Au cas où. Marion du type ténèbres. Nouveau personnage donc. Alors, ténèbres. Si elle commençait par un cornèbre. Qui est ténèbres vol. Je suis Marion du conseil des 4. C'est toi Lou, c'est marrant. Moi j'aime les Pokémon des ténèbres. Leur look noir est méchant et trop cool. Et ils sont forts aussi. Tu crois pouvoir les battre? Allez, essaie pour voir. C'est parti. Alors elle aime les Pokémon ténèbres. Mais le type ténèbres est un des nouveaux types de la deuxième génération. Et ils sont pas encore très très nombreux. Oh, je commence par Noctalie, qui est donc une des nouvelles évolutions d'Evoli, et qui est un mur, c'est-à-dire qu'il a beaucoup, beaucoup de défense. Je vais le paralyser, parce que c'est toujours pratique. Alors, il me faudrait du combat contre le type ténèbres, ou de l'insecte, j'en ai pas. Baisse la précision, ça me plaît pas. Ouais, voilà, ça m'énerve. Ouais, bon, laisse tomber. Gigigi, je vais te changer. Je vais prendre Luxbox. Donc elle n'a pas que des Pokémon ténèbres dans son équipe, vous le verrez, mais elle a quasiment que des Pokémon noirs. Folie maintenant. Il agit. Allez, voilà, paralysé, c'est bien. Cruel. Ah, j'aurais dû le rendre confus aussi, tiens, pour me venger. Il a pas mal de défense, hélas. Paralysé plus onde folie, ça l'empêchera pas mal d'attaquer. Je
peux tenter vampirisme, mais c'est pas très efficace. Hein. Enfin, c'est, si, c'est très efficace, mais c'est juste que c'est une puissance tellement ridicule de 20 à l'époque. 80 désormais, hein, dans la 7ème génération. Mais là, du coup, avec une puissance de 20, c'est non stabé, car Nos Enfers n'est pas de type insecte. Donc, du coup, c'est beaucoup moins puissant. Bah, voilà, ça sera que... inutilisable. Je sais pas. Je ne sais pas trop. Allez, je reprends l'Xbox. On va garder la G parce qu'il est très rapide en début de combat. S'il te place un petit, une petite cage éclair comme ça, c'est pratique. L'Xbox a une bonne défense, elle peut se soigner en plus, donc voilà. On va voir combien ça lui fait, on va se soigner juste... la blague. J'aurais dû l'empoisonner plutôt que le paralyser en fait. Bon, Amélie est faible face aux attaques... Tant pis. Il me faut de la force brute. Ça va encore. Et j'ai 20 soins derrière. Donc... ça va. On va se refaire un petit soin et on va repartir. Elle peut pas s'échapper. Ah bah on va finir le combat avec Amélie du coup. Allez. Paf. Bien. Un dernier petit aéroblast. Oh, Amélie. Oh. Il me confusionne. Amélie, Amélie, Amélie. Bien. On va pouvoir changer de Pokémon. Parce que j'aime pas du tout la confusion, comme vous le savez. Et Luxbox monte au niveau 37, c'est très bien. On a besoin de monter de niveau. Cornèbre, ah. Donc il y avait bien un Cornèbre. Ténèbre vol. Qui évolue maintenant? Corbos. Corbos que j'aime beaucoup avec son petit côté mafioso. Vous voyez, Cornèbre, il a... une queue comme un balai de sorcière, du coup, et un petit chapeau de sorcière. C'est mignon tout plein. Merci Cornèbre. Rafflesia. Donc, Rafflesia n'est pas de type ténèbre, c'est un Pokémon de type plante. Donc elle n'aime pas les attaques de type vol. C'est un Pokémon de type plante-poison pour être plus précis. Mais il est noir, comme vous le voyez. Hein. Alors maintenant, il n'est plus noir d'ailleurs, il est plutôt violet. On va faire le petit aéroblast. Paf. De toute façon, on a de l'huile encore. Hein. Ouh. Ah là 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 là. Bon, on a plein de soins pour les altérations, c'est pas très grave. Alors, Danse Fleur, c'est une attaque berserk, c'est-à-dire qu'une fois qu'on la lance, on ne peut plus l'arrêter et à la fin on devient confus. Son pouvoir est augmenté depuis, d'ailleurs, elle est passée de 90 à 120, beaucoup plus puissante maintenant. Dans le même genre, il y a Colère, une attaque dragon. Voilà. Démolos, alors, Démolos, Feu Roche. Feu Roche, pardon. Je pense à... j'allais dire en même temps, Feu Ténèbres. Très classe Démolos. Hein. Oulala, très haut niveau aussi. 12 niveaux de différence, je pense qu'il va
Oui, on va mettre Geneviève KO, hélas. Alors, c'est embêtant. Je vais tenter Amélie, mais elle va craindre les mâchouilles de Démolos. Ce serait dommage de perdre contre lui. Mais si elle a le temps de placer un petit surf... Allez, oh là 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 là, ça fait mal. Il y aura une potion en plus, Marion. Ouh, 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 ouh. Oh là là. On va résumer avec des molos. Là, on est mal barre. On va tenter un truc. Il faut qu'il agisse soit plus rapide. Oui. Oui. Ouh là là, 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 j'ai le cœur qui accélère un petit peu. C'est tendu. Bon. Au moins, là, il est paralysé. Alors là, donc évidemment feu, donc pas de Luxbox. On peut tenter Gigigi. On peut tenter en le paralysant. Alors déjà, fais-toi des dégâts, là, fais-toi des dégâts. Résiste, résiste, Gigigi, paralyse-le. On aura une chance après de pouvoir le battre. Ça. Alors, du coup, là, ce qu'il faut faire... Donc le rappel max. Clairement. Bah là, tant qu'on peut lui faire des bobos, on va le faire. Parce que là, clairement, on a sacrifié Gigi, faut le dire. Comme on a sacrifié Ilaji d'ailleurs. Fais-toi des dégâts, fais-toi des dégâts. Donc là, il faut espérer que... qu'elle ait pas de guérison, sinon elle va soigner sa paralysie. J'ai fait vol! J'ai fait vol. Je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé trop vite. Oh purée. Bon, au moins il reste paralysé. J'ai fait vol. Oh. Chou. Oh, quelle bêtise. Oh là là, mais quelle bêtise. Là, il faut qu'il soit paralysé. S'il est paralysé, reste paralysé, s'il te plaît. Oh, c'est pas vrai. Oh là là, non, 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 non. Je sais pas si elle saura le mettre KO, mais... Si oui, ce sera pas mal. Yes! Bravo Emma! Ectopla... Oh là là! Ouh là 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 là! Spectre poison. Ça va pas du tout pour l'Xbox. Il va falloir pareil qu'on le paralyse. Ouh, très bien. Il sacrifie la moitié de ses PV. Alors, Emma est maudite, donc elle va perdre un quart de ses PV. Mais du coup, on a le temps de soigner quelqu'un d'autre entre temps. On va soigner Ilaji parce qu'il résiste pas mal au stack poison et spectre. Ah mais... J'ai cru qu'il allait se suicider du coup. On va changer de Pokémon. Quelle tension. Alors ça veut dire que si Ilaji met Ectoplasma au tapis, eh ben Ilaji tombe aussi KO. Eh oui, c'est une attaque un peu bizarre. Prélèvement du destin.
qui est apparu d'abord dans le jeu de cartes d'ailleurs. Les chouilles, donc pas très puissant, spectre qui paralyse. J'ai pas l'impression qu'il est d'attaque très puissante en fait. Bon, il veut me paralyser clairement, voilà. C'est ce qu'il voulait faire. Et moi aussi, c'est ce que je veux faire. Voilà, et ça marche. Là, je repasse à Iladji. Oh. Ah bah, ça va aller vite. Combat de manchot. Et voilà. Waouh. C'était intense. Et voilà, on a réussi le conseil des 4. T'es fort, c'est bien. Pokémon puissant, Pokémon faible. Cette vision est faite pour les simples d'esprit. Les bons dresseurs gagnent avec leurs Pokémon favoris. J'aime ton style. Tu es un bon dresseur. Allez, va, le maître attend. Et oui, car en plus du conseil des 4, il faut bien sûr vaincre le maître. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour avoir un peu plus de suspense quand même. Donc je vais d'abord soigner un petit peu tout le monde. Alors je vous cache l'identité du maître pour pas vous spoiler. Mais c'est un personnage que l'on a déjà croisé en tout cas. On a déjà croisé d'ailleurs dans la première génération. On va soigner tout le monde, total soin. Pour être sûr qu'il n'y ait plus de paralysé non plus. D'ailleurs, ouais, j'aurais plutôt utilisé des antipara ou B machin. B antipar, voilà. Ouais, pas trop de potions. Je vais quand même utiliser. Ouais, non, je vais la garder. La guérison. Ouais, c'est plus grand chose, hein. Ça va être. Ça va être costaud. Contre le maître, donc j'aurai besoin de vos ondes positives, de vos croisages de doigts, etc., etc. Mais ce sera pour le prochain épisode, donc merci en tout cas d'avoir suivi ce nouvel épisode. Je ne sais pas c'est combien, mais voilà, c'était très intense. On a réussi à battre le conseil des 4. N'hésitez pas à me dire, bah tiens, quel est votre membre du conseil des 4 préféré, votre type préféré, tout ça dans les commentaires. À laisser un petit pouce bleu pour m'encourager si le let's play vous plaît. Et bien sûr, à visiter ma chaîne en cliquant sur le mélophée en bas à droite pour voir ce qui se passe en ce moment sur ma chaîne. J'ai fini par exemple Super Mario World, l'un des meilleurs Mario, l'un des meilleurs jeux de plateforme en 2D, l'un des meilleurs jeux de la Super NES. 6 épisodes pour voir le jeu à 100%, donc je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne via le petit mélophée en bas à droite. Merci en tout cas d'être nombreux à me suivre, vous êtes déjà plus de 400 abonnés et ça me fait vraiment très très plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite des aventures de Pokémon version argent. À bientôt, salut.